Karina style. Tonjo. Karina style. Tonjo. Hey, yo, wo. Wo. Karina, eh. Hey. Yeah. Karina, oh. Wo. Oh, where? Yeah. Dibé. Wo. Dibé. Wo. Dibé. Wo. Que s'est-il passé à la finale de Miss Monde, Karina style? C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Karina, c'est pas lourd. C'est lourd. C'est loup. C'est loup. C'est loup. C'est loup même. C'est bon, loup. Hier, c'était la finale de Miss Monde. On espérait voir notre Olivia Yassé avec la couronne de Miss. Mais malheureusement, elle a fini deuxième dauphine. Et celle qui a été Miss Monde, c'est la Miss Pologne, devant Miss USA. Tu sais, voilà, Shri Sani, là. Shri Sani. D'accord. Maintenant, la Miss Pologne, c'est Carolina. D'accord. Et l'autre noir? Non, il ne peut pas dire, je suis assise, je suis bêtée. Carolina Bilaska. Alors, d'accord, ça c'est, tu es prise par l'émotion, hein, c'est ça, je comprends. Bon, d'abord, est-ce que vous avez regardé même la finale, Karina? J'ai mal regardé la finale. Pour la première fois de ma vie, oui. Je me suis assise devant un concours de Miss, je me suis réveillé en sursaut, il dit, ah, il est là. Puis j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Mon frère. Tu sais, moi... Mais j'ai failli avoir une attaque cardiaque. Nous avons failli avoir une attaque cérébrale. Moi, j'ai dormi, tu sais quoi. J'arrive, je quitte au boulot, il m'a à la maison. Donc, je profite pour dormir en même temps, ouais. Pour ne pas dormir après. Je me suis endormi à 3h30. Et toi? Moi, j'ai dormi, ouais, 3h45, à peu près 4h. Moi, j'ai dormi à 4h. Presque 4h, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est la partie où on dit... Mais j'allais dormir avant 4h. Hein? Oui, il y a une partie même, il y a mis bonne nuit. Et puis on dit, hey, reviens ici. Moi, tu as mis bonne nuit. Moi, il y a une lettre, j'ai commencé par une lettre, j'ai mis R. Quand il a mis R, mon téléphone... Mais qu'est-ce qui se passe? Olivier Yassé. Moi, mon téléphone était au salon. Quand j'ai vu, on dit mon 12e, bon, il m'a pris le téléphone là. J'arrive à la porte, Adam, on dit non, il y a ex-écho. Ah. Hein? Ex-écho quoi? On dit ex-écho. Il a crié là. C'est-à-dire que. C'est bon enfant même. C'est-à-dire que c'est Douaoudé même. Dans Miss Monde, il y a Ezeko. Hein? Moi-même là, mon voisin de l'autre côté de la rue là-bas, il a allumé la lumière pour regarder si moi aussi il y avait un problème. J'ai crié. À partir d'aujourd'hui. À 2h du matin, t'entends que ton à voisin a crié. À partir d'aujourd'hui, les gars, oui. Olivia s'appelle Olivia Yassé, dernière minute. Toujours. Olivia Yassé, dernière minute. Monsieur le Président. Ouais, vous devez... Il faut faire passer ça au Parlement. Il faut envoyer ça au Parlement. Après, on fait un mail au père de Olivia. Oui, on doit changer son nom sur son papier. Mais ce que moi, je veux savoir, si on dit ex-écho, c'est qu'elles sont jolies de la même manière. C'est pas possible. Elles sont pas jolies de la même manière. En fait, c'était un challenge. Je crois que c'est... Quoi? Un challenge. C'était un multimédia, non? C'était ça, non? Mmh. Elles ont eu les mêmes points. Elles ont eu les mêmes votes. Un challenge. Challenge. C'est la même chose. C'était un challenge. Ça, ça va pas passer. C'est un challenge. Comme une stage. Un challenge. C'est comme ça, hein. Quand il me gagne, il me loupe pas. Coup d'accent. Quand il me gagne aussi, là, on dit qu'il exagère. Coup d'accent. D'accord, on est dessus. On est dessus. En fait, allez, avance. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, Olivia était dans une très bonne position. Oui. En fait, les gens de l'organisation du concours Miss Monde, là, ouais. Oui, elle était pleurée. ont voulu mettre un suspense. Parce que tu as vu comment, quand ils l'ont appelé sur scène, oui. quand ils ont dit son nom, oui. Tu as vu la réaction du public? Oui. Mais regarde, même avant ça même. Oui. Bon, au début, tu as vu que, en fait, l'enregistrement de décembre, là, c'est par ça qu'ils ont commencé. Comment on les fêtait. On la voyait pas. Voilà. On la voyait pas. Gam a pété parce que, moi, je me fais poser, mais quelle, Olivia, mais ça quoi de loin? Elle est où? Non, c'est décembre, ok, pas de problème. Donc, deuxième partie, là, on va annoncer, voilà, Olivia qui sort. Regarde. Les Blancs, eux, se sont oubliés même. Non. Tu as vu Blanc qui écrit Ouo? Attends, tu as vu Blanc qui écrit Ouo? Mais est-ce que vous savez ce qui m'a marqué? Dans Miss, là, je sais pas qu'il y a gym dedans. Gym comment? Elle est talentueuse. OK. Les mains de Kadjim. Les mains de Tintich. Les mains d'Olivia Yassé. Alors, sérieusement, vous êtes déçue ou pas? Vous êtes déçue ou pas? Karina? Un peu déçue, mais en même temps, je suis fière. Je suis fière d'Olivia. D'accord. Voilà, c'est une légende. Moi, pour moi, c'est une légende parce qu'elle a défendu les drapeaux du pays. Le
le drapeau, pardon, les couleurs, je voulais dire, les couleurs du pays. Donc, voilà. Coup de psychologie. Coup de psychologie. Les couleurs, je vous l'ai dit. Les challenges, les drapeaux. Non, moi, je suis déçu, je suis vraiment déçu parce que ce que nous, on voulait, ce que moi, je voulais, c'est la victoire. C'est... Parce que quand on va dans un concours, ce n'est pas pour être deuxième ou troisième, c'est pour être à la tête. À la tête. Mais en même temps, je suis satisfait parce que tout le monde a reconnu que Olivia est quelqu'un de spécial. Ouais. Voilà, donc nous, on est contents. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une grande première. Dieu merci. Ouais. Alors, moi, en tant que président de la Papouasie, Olivia rentre dans la légende. Ah. Olivia Yassir rentre dans la légende. Rarement dans ce pays, une Miss n'a suscité autant de passion. Ouais. Regardez, jamais même, c'est pas rarement, jamais, ça jamais passé. Mais elle, c'est moi, je suis assis en train de regarder Miss Monde. Non mais, regarde ce qu'elle a fait. Et puis c'est pas tout. Elle est dans le trio. Je dis que c'est une victoire. C'est une victoire. Ouais. Alors, est-ce que les Ivoiriens, comment est-ce que les Ivoiriens ont réagi? Très rapidement, Karina. En tout cas, certains Ivoiriens disent qu'ils sont fiers d'Olivia Yassé, qu'elle a défendu les couleurs du pays. Et il y a certaines stars aussi qui ont fait des publications pour soutenir Olivia Yassé. Il y a Safarel Bion qui a dit « Félicitations à Yassé Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021, notre Miss Monde. Merci d'avoir été fortement à la hauteur pour notre Côte d'Ivoire. Tu es notre fierté. » Pour nous, tu es la Miss Monde 2021. Même si tu finis deuxième dauphine, la Camorra mettait de cœur pour notre Holy Shoe. D'accord. En tout cas... Et il y a Serge Benoît qui dit « On peut faire veiller un pays comme ça. » Félicitations, Yassé Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021. Deuxième dauphine, Miss Monde. Miss Monde, hein, tu es jazz que Rihanna, il n'y a rien même. Il n'y a pas l'homme. Il y a José qui dit « Tu nous as fait rêver. Perso, je te voulais tellement avec cette couronne parce que je sais que tu aurais... su faire briller ton pays avec cette couronne. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Deuxième dauphine du monde, c'est magnifique aussi. N'empêche, pour les Ivoiriens, aux yeux du monde, tu as brillé de mille feux à ce concours de beauté. Merci Yassé Olivia. Et tu as de quoi être fière de ton parcours. Et nous aussi, on est fiers de toi. Tu as donné une vraie leçon à celles qui viendront après toi. En tout cas, je le dis et j'assume. La véritable Miss des Miss, c'est toi. Olivia Yassé forever. Sur ce mot, on va conclure pour dire merci à Olivier Yassé. Merci pour, de nous avoir fait rêver pendant ces mois. Merci pour cette grosse performance. Aujourd'hui encore, on peut dire avec fierté que je suis Ivoirien. Je viens du pays d'Olivier Yassé. Félicitations, ma grande. Et puis, sois fier toi-même. Olivier Yassé, dernière minute, s'il te plaît. Comme indique, oui, Olivier Yassé, dernière minute. Olivier Yassé, dernière minute, femme de challenge. De challenge. De challenge. Mais Eric, ne vous amusez pas. Si vous attrapez aujourd'hui. C'est lourd.